Si on n'a pas de changement radical, dans tous les cas, avant 2050, on aura toutes les répercussions possibles et inimaginables. Ça voudrait dire changement de vie, ça voudrait dire changement de manière de faire, et c'est culturel. Si l'État prend les choses en main, ça peut faire changer les choses. Les gens vont suivre, les gens vont s'y mettre, et les gens vont être obligés de le faire. Tant que les gens ne sont pas obligés de le faire, il y a des chances pour qu'on n'avance pas et qu'il n'y ait pas de côté radical dans le changement qu'on voudrait faire.